Bienvenue pour la suite de Days Gone. Alors on se retrouve ici. La dernière fois j'étais bloqué dans un bâtiment identique. Il y avait une horde à côté. J'ai réussi à m'échapper, à couper l'alarme, à prendre la moto. Je suis rentré au camp de Copland. Et là je suis venu ici parce que la dernière fois ça n'avait pas marché, le fusible voulait pas rentrer. C'est chier, les plombs sautaient. Et j'ai l'impression que c'est toujours bugué. Et voilà. C'est pas ça que je veux. Mais cette mission elle est buggée, sérieux. Je pourrais jamais la faire en fait. Parce que ça c'est en marche, ok. Et là je peux rien faire. Sérieux, je comprends pas. Je vois pas ce que je peux faire de plus. En plus, les pas qui étaient là, ils ont plus. Je peux plus rien faire ici. Ouais, gros bug. Mission plantée. Attends, gozo. Technologie, machin, je sais pas quoi là. J'ai eu un truc bizarre. Hein. Là, je peux rien faire, hein. C'est un truc de fou. Cette mission, elle a complètement planté en fait. Pas de courant, bien sûr. Bah ouais, mais j'ai le truc et tu veux pas le mettre alors. C'est trop bizarre, sérieux. Là, je sais pas quoi faire. J'appuie sur carré, 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 ça fait rien du tout. Ouais. Je vais devoir recommencer le jeu juste pour ça, tu viens de dire? Ah oui, tiens, faut enlever l'alarme. À moins qu'il faut d'abord enlever l'alarme. Ce serait con, mais bon. Au moins. C'est fait, au cas où. Ah, attends, il y a un truc là. Ah non, c'est de... du bois. Franchement, si quelqu'un peut m'aider, moi je veux bien. Hein. Parce que là, je comprends rien du tout. La ferraille. Là, y a... Ah, il y a une caisse là. Mais non. Oh, un fusible. Cool. Ah voilà, j'avais pas trouvé en fait. Ouf, t'as, je suis rassuré là. Voilà, ça doit être bon. Voilà, ça doit être bon. Merde, ça va rameuter tous les mutants à la ronde. Putain, il y a une autre alarme là. Merde. Coupe-moi ça. Je les ai tous eus. Ouais, putain. Mort. Bonne nuit. Enfin. Ah bah voilà. Putain, j'ai eu peur. Attends, ferme, ferme, ferme. Mais non! Ouf, j'ai cru qu'il se fermait dehors, ce con. Micro-enregistreur. Comment ça? Lâchez-moi, putain! J'ai dit lâchez-moi, madame! Vous devez retourner dans votre véhicule. Nous allons revenir vers Chef. 12 heures qu'on est là. J'ai deux enfants malades à l'arrière.
Voilà. Super ce truc. On demande juste un peu d'eau. Madame, vous devez retourner dans votre véhicule tout de suite. Eddie, t'as une bouteille d'eau? Donne-lui. Tout ce qui nous reste. Donne-lui. Merci. Ok. Remontez dans votre véhicule. Oui. Nous allons en laisser passer plus très bientôt. S'il vous plaît. Merci. Je suis désolée. Je suis... Pardonnez-moi. Fermez la clé. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Ah, attendez, je vais juste mettre la carte. Ah, il y a le nid à débarrasser là. Je lui ai menti. Quoi? Il ne laisse passer personne. Le camp de réfugiés est plein. Qu'est-ce qu'on va faire? On se casse. Je sais pas. Mais j'ai un plan. Qu'est-ce que tu dis de ça? Non, ce que disait Boozer. Oh, tu parles d'une façon d'attendre la mort. Tasser un checkpoint. Encore un nid. Tu vas brûler. Ah, il y en a un là. Attends, Molotov. Tac. What? Il est où le nid? Ah, il est en haut. Ça marche si je lance de là? Je me casse. C'est bon, ça a marché. Ah, je me disais, il n'y a pas de mutants aussi. Salut. Hop là. Allez, allez. Attention. Ça coûte cher les munitions, hein. Allez. Oh, okay. Tiens. Ok. Allez, hop. C'est bon. Zone nettoyée. On va fouiller. Pas fait tout ça pour rien. Ouh, il y a des choses. Alors, pied de chaise? Oh non, non, non. Ah. Ah, je suis toujours plein. Attends, c'est quoi ça? Ah! Ah oui, c'est pour fabriquer les côtés de l'endurance. Il me semble. Ouais, y a pas grand chose au final. Ah, ça, je suis plein. Putain, je suis tout plein. Ah. Au moins ça. Chiffon. Ça c'est quoi? Ah, c'est pour se cacher ça. Bon, bah voilà.
toi et les autres nids. Pas moyen de passer sans sauter là. Ah, ah bah cinématique. Bon, où est-ce que tu te planques? Elle doit être quelque part. Elle pourrait avoir besoin d'eau. Près de la crique peut-être. Je vais jeter un coup d'œil. On va chercher la survivante. Ça doit être elle. Elle vient sûrement chercher de l'eau ici. Ouais, elle s'approvisionne en eau tous les jours ici. Mais elle se déplace prudemment. Et sans s'attarder. Plutôt futé. Ok, on va faire du pistage aujourd'hui. J'entends une moto. Putain de Reaper, y'en a pas un qui ressortira d'ici en vue. Oui, subir d'importants dégâts pendant les combats, le mieux est souvent de se mettre à courir. C'est pas vrai. T'as me dit ça que maintenant lui. Dispersez-vous pour la trouver. Il y a une fille dans le secteur. Vas-y, viens là toi. J'en vois deux. Quoi ? Je t'en prends ça. Ah, des mines. Merci. Il est où l'autre ? Là-bas. T'es mort. Ah, faut aller là-bas. Oh putain. Ah, ils sont plus nombreux que je pensais. Il y a minimum 3. Oh! Vous allez vous faire attaquer là. Hein. Elle attaque. Pourquoi le zombie fait rien là? M'explique. Je sais pas si on peut la voir comme ça. Non, c'est une mauvaise idée. L'autre, elle est passée où? J'ai entendu un truc. Eh bien. Putain, comme par hasard. Oh putain. Dans la merde. Hm.
Putain. J'ai pas de chance, sérieux. Non, faut lui taper dessus quand même. Hein. Je sais que t'es con, mais quand même. Ça pue. Ah, j'ai plus de hache. Merde. T'aimes ça ? Calme-le. Mais t'es sérieux là ? Il faut le libérer. Allez. Quand tu veux, tu la tues, hein. Fous de ma gueule. Ça me fait penser à la séquence de la Suez là. Ils sont bizarres les infectés comme ça là qui attaquent pas. On va se le faire. Tu tires quoi, le pigeon? Hop là. Parfait. Attends, on va se refaire un molotov. J'ai oublié sur le coup. Tac. Pas moyen. Ah bon? Merde. Comment on y va là-dedans alors? Qu'est-ce que tu me fais là? Comment on va dans ces pièces là? Je me le demande. Passer par là. Passer par la fenêtre, non? Sauf que je vois pas comment tu montes. Hein. Il doit y avoir moyen de monter sur le toit quelque part. Ah, la tête. Yes. Qui me tire dessus? Est-ce qu'on prend le sniper? Je sais pas, parce que... Je pense qu'il y a plus besoin de corps à corps dans ce jeu. C'est quoi ça? Une grenade flèche? Oh bien. Déjà on peut ouvrir par ici. Attends, de l'autre côté il y a quoi? Ah. Oh, prends la pioche.
Yes. Au max. Bon, parfait. On m'a bien fouillé. Oui, je sais, faut éliminer les Reapers. Ils sont où? Là. Il est garé. Un peu d'action, ça fait du bien. Il faut le libérer. Attends, j'ai une idée. Merde. L'étage, c'est où là? Ah, je l'avais pas fouillé lui. Je t'apprends ça. Comment on zoome? Ah. Pas tomber mieux. Anne moi. Ah j'ai plus de balles déjà. Il y a pas beaucoup de balles dans ces peurs. Il en reste. On va contourner. Pas mal cette mission, j'aime bien. C'est quoi? Autocollant Marion Fox? Ok. Il est où? Maintenant! Comment ça maintenant? Oh putain! Je l'avais pas vu. Comment je change d'épaule? Ah, je sais pas comment on fait pour changer d'épaule. Je vais toucher! Bonne nuit! Oups! Oh putain! Tire-le maintenant! Tire-le! Tire-le! Mais fous-moi la paix! Mais crève! Fais quelque chose! Mais il est sérieux là? Le mec il se prend 15 balles, il crève pas! Je peux savoir où t'es passé? Il est en train de me contourner cet enculé. Non? Pardon pour les gros mots. Oh la mitraillette. Peut-être la prendre. Il est où ce con?
Je te cherche. Pouh. Enfin. Une grenade à fragmentation, carrément. Attends. J'ai tout à fond. Ok. Faut aller là-bas maintenant. Heureusement qu'ils ont des munes. Hein. Putain, c'est pas fini, sérieux. Ouais, ils sont nombreux. Youyou. Ah. Deux. J'en vois deux. Merde. Je pense qu'il va me voir là. Je l'ai perdu. Putain. Et où le deuxième ? Ah là. Hop. Et d'un. Et l'autre, ah, il y en a un là-haut. C'est lui qui va être tout à l'heure ? Il est déjà parti là-bas, lui ? Là, mon père est là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, je quitte pas la zone de mission, il y a un mec là, il est con, lui. Voilà. Ça c'est fait. Trouver un moyen d'entrer dans la maison. Ah, attends. La maison est fermée. Comment elle fait pour sortir ? Mhm. Tu montes sur le toit, non ? Une échelle, c'est ça. Ah. Allez. La chance, j'ai trouvé direct. Ici. Alors, gamine, voyons où tu te caches. Y'a quelqu'un ? Seul ? Y'a personne d'autre avec toi ? Oh la vache. Ok. C'est ta chambre ? C'est sympa. C'est à toi ça ? Non ! Lisa ? C'est à moi ! Je l'ai gagné en gymnastique. J'aurais dû finir première. Mais Missy King... Lisa. Lisa, t'as entendu les coups de feu dehors ? T'es pas en sécurité ici. J'étais alors tu à vas... Et puis ma mère m'a appelé pour me dire de rentrer à la maison à toute vitesse et... qu'ils allaient m'attendre là-bas et qu'on partirait ensemble et...
Mais quand je suis arrivée, il y avait un mot, ils étaient partis avec des gens. Et moi, je savais pas quoi faire, alors... Alors je me suis cachée et je... Je savais pas quoi faire. Ça va, t'en fais pas. Lisa, il y a un camp, pas loin d'ici. Il faut que tu me laisses t'escorter là-bas. Il y a des gens là-bas, il y a des gens, je les connais. Je vais pas te mentir, c'est un camp de travail. C'est... Enfin, il faut travailler pour manger, c'est pas le paradis. Mais au moins, tu mourras pas de faim. Non, ma mère va venir me chercher. Ok, c'est ta mère? Tu me dis qu'elle est jamais revenue, c'est ça? Alors, elle est peut-être au camp, si ça se trouve. J'en suis sûre. Ok. Reste avec moi. Oh putain. Ils sont sérieux là? En plus ma moto elle est à chaille. Retournez à votre moto avec Lisa. Super. Les hommes armés, ils sont toujours dehors? Non. Non. Des gens malades. Attends. Je voulais fouiller moi. Il y a quelqu'un en bas. Vas-y, parle plus fort. Combien de temps tu vis comme ça? C'est quoi? Au de la mère de Lisa. Je me demande ce qui est arrivé à sa famille. Qu'est-ce que c'est? Ah bah j'ai bien fait de fouiller, tiens. Un mot de sa mère. Macaroni au fromage. L'histoire ancienne. Macaroni au fromage. Ok, bon ça va. Ouais, j'ai bien fait de fouiller quand même. C'est bon ou ça se corse dehors? Elle est passée où elle? Allez là. Il y avait beaucoup d'infectés d'un coup. Suis-moi, Lisa, suis-moi. Ça, c'est la merde d'un coup, là. Tu me suis? T'es où? Oh putain. On va passer l'heure, hein. Allez Lisa, allez. On va te ramener au camp. Ah, ils sont deux. On va aller voir là-bas si j'y suis. Ouais, si je prenais un bidon. Il y a du monde. Il y a... What? T'es sérieux là? Un ours, carrément. Mais what? Ils ont fumé là. Oh. Oh non, pas toi. Ah ouais, l'ours il est carrément sur ma moto quoi. Il y a un petit problème là. Attends. Peut-être... essayer quelque chose. Non. Tu veux pas bouger hein. Tu l'aimes bien ma moto hein. Ah oui, tu l'aimes bien. Putain,
sérieux. Il a pas bougé ce con. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as vu le gros nounours? En fait, peut-être qu'il est gentil, hein. J'ai plus de cailloux en plus. Grenade. Ah, au pire, j'ai la grenade flash. Attends, on va essayer ça d'abord. Oh merde! Oh putain! Il est où? Il est où? What? Bon, on se casse. Ah, je peux pas? Ah, je suis obligé de le tuer! Mais non! Putain! Oh la vache! Espèce de maboule! Tiens, un crâne! Ah non, c'est une exposition. Bah, il a pas aimé, je crois. Ça explose, ça? Je me demande. Putain, je... Ah mais tu vas te calmer, oui. Ah bon bah je pouvais rien faire, j'étais bloqué contre la barrière. Putain, c'est quoi cette embrouille là? Putain, il m'a bloqué ce con. Putain, je l'ai raté en plus. Crame. Putain. Non mais fous-moi la paix. C'est impossible. Il a pas monté là quand même. Non mais... Non mais ce jeu il est con des fois. Il est où? Tu veux une grenade? Allez, je sais pas lancer la grenade. Évidemment. Au pire, ça fera une bonne prime. Hein. Et les infectés qui s'y mettent maintenant. Eh non, plus de balles. Bon bah j'y arriverai jamais je crois. Ah bah ça je me trompe tout le temps. Ok, le mec il tombe, on sait pas pourquoi. Viens gros nounours. Allez viens.
Allez. Allez, viens. Je suis là. Ça te fait du bien un peu. Un peu de feu. Il est presque mort là. Ah yes. C'est pas trop tôt. Saloperie. Attends, je la prime moi. Rien à foutre. Fou. Dans le cochon, ouais, on sait. Ah, elle s'est cachée dans le poubelle. Attention. Quoi? Y a rien. Merde, elle était où la jerrycan? Putain, c'était chaud. Faut qu'on bouge. Je sais pas trop. Comment ça, je peux pas la remplir? Allez, petite, faut y aller. Ok. Ça va tenir. Bon, on se casse. Tu montes? Au fait, comment tu t'appelles? Deacon. Je m'appelle Deacon. Lisa, comment t'as fait pour survivre ici tout seul? Aussi longtemps. Ça bavarde, hein? Mon père collectionne les pierres. Il m'emmenait avec lui pour chercher des géodes. Des géodes? Qu'est-ce que c'est? C'est comme des pierres. Quand on les ouvre, c'est très beau à l'intérieur. Ok. Ça a l'air cool. On allait un peu partout. Au cratère de Belknap, à la coulée de lave, et au cratère noir, partout. Tu crois qu'il est aussi au camp? Je sais pas, petite. C'est pas vrai. Des astuces de survie. Merde, y'a quelqu'un dans le tunnel. Quoi? Oh. Tiens, descends. Qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, les coups de feu que t'as entendus, c'était des gens... C'était des gens pas bien, tu comprends? Ouais, sauf qu'au niveau mune, là j'ai plus rien quasiment. Y'a rien de tel que la ferraille. Attends. On va refabriquer. Ah bon, tu vois, je peux pas. Soin, c'est bon. Ça. Grenade flash, ok, j'en ai une. Ouais, je peux pas faire mieux. Comment ça te voilà? Oui. Reste ici et trouve-toi une cachette. Sors pas avant que je te le dise, d'accord? Merde, elle est trop loin. J'ai pas assez avancé. Pourquoi elle descend pas? Ok, elle reste comme ça. Je sais pas si c'est encore un bug. Par contre, je sais pas comment on fait pour... changer de d'épaule. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je trouve pas. Ok, bon enfant. Vous êtes... Ouais, jette-toi sur lui. Faut que je recharge. Chier. Je tirais. Oh la terre! Il l'a buté! Je vois que tu te caches. Il s'est retranché, vas-y! Secoue-toi! Boum! Oh putain.
Comment ça, fonce-lui dessus? Allez, sors! Un coup de pioche! Putain, mais ils sont combien? Ah bon, j'en ai plus qu'une. Merde! Brûle, l'enfoiré! Lisa! Ah, c'est bon? Petite! C'est bon, tu peux sortir! Fais le plein. Ah ouais, fais le plein, ouais. Parce que là, on est mal. Hein. Ah, pas des trucs que je veux, ça. Ouais. Ah, fusil à canoncier, non. Ah, est-ce que je prends la hachette? Merci du cadeau. Ouais. Ah, attends. Il y aura des choses là-dedans. Attends, on va soigner déjà. Hop. Bientôt la fin de la VOD. Ah. Ok, je suis plein. Bon, bon, on y va. Hey, ça va? Oui. Oui, je crois que je préfère rentrer chez moi. Non, petite, on va au camp. Tu seras en sécurité là-bas. D'accord. Attends. Ah, il y a un truc là. Toi, tu vas bien me servir. Là. Lisa, je vais te poser une question. C'est très important. Tes voisins, est-ce qu'ils avaient des armes à feu, genre des revolvers ou des fusils, des trucs de ce genre? Non, des hommes sont venus tout prendre. Des hommes? Comme ceux du tunnel? Ou est-ce qu'ils portaient des uniformes un peu comme à l'armée? On aurait dit l'armée. Mais ils étaient très sales et ils étaient fabriqués des drapeaux. Ça disait milice du comté de Deschutes, je crois, je sais plus. Ils avaient du monde avec eux? Des femmes ou des enfants? Je me souviens pas. Ok. Tommy se souviendrait. Tommy? Tommy Strickland. Mon meilleur ami. Mais il est parti. Il est allé se cacher avec son père. Se cacher? Son père avait construit un abri anti-atomique et stocké plein de choses dedans. Des plans, des vivres, des armes, ce genre de trucs. D'accord. Tu sais où il se trouve? Non. Il voulait que je vienne avec eux, mais je savais que mes parents reviendraient me chercher. Pourquoi tu parles fort comme ça, Deacon? Le portail. Tu vas tirer tout le monde? On y est arrivé alors. Reste avec moi. Ok. Parfait. On a ramené la gamine. J'espère que sa mère est là. Je vais pas faire la nounou, moi. Tiens, tiens, qui revoilà? Madame Tucker! Oh mon Dieu! Lisa, ma chérie. Oh. Tout va bien. T'es en sûreté ici. Papa et maman, tout le monde est tombé malade et je savais pas quoi faire. Des hommes sont venus, chut, des gens sont tombés malades. Tout va bien. T'es en sûreté maintenant. C'est un miracle. C'est un miracle, nom de Dieu. Nous étions voisines, pas vrai, Lisa? J'habitais le même pâté de maison. Je connaissais ses parents. Ils sont ici, Madame Tucker? Mon ange, tu connais la réponse. Non. Ils sont pas là. Viens, entrons.
tu pourras te laver. Et manger un bout, et puis je te trouverai un lieu où dormir. Emmenez-la, donnez-lui à manger. Va voir Alkai. Je te verserai tes crédits ce soir. Hey, écoute, elle en a vraiment bavé, alors vas-y, mollo. C'est moi qui décide comment je dois... Écoute-moi, sérieusement. La fais pas trimer comme tous les autres. Tu vas quand même pas m'apprendre à gérer mon camp. Le jour où tu voudras t'installer ici et nous aider à avancer, t'auras peut-être ton mot à dire. Ouais, elle va se calmer la grand-mère, là. C'est pas le moment de te dégonfler, Dick. On lui ramène une fille et elle nous gueule dessus. Va te faire foutre, ouais. Bon, bah j'ai bien aimé cette mission. T'es kiffante là, avec l'ours. C'était chaud et bon. Voilà, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, point de compétence, j'ai eu. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour la suite. Ciao.